Il existe des aides financières quand on a des difficultés à payer son loyer. Avoir des difficultés à payer son loyer, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à certains Français en temps normal et avec la crise, beaucoup de foyers peuvent être concernés. Le premier conseil, c'est d'aller en parler à votre propriétaire, que ce soit un bailleur social, un HLM ou un propriétaire privé. Parfois, les choses peuvent juste s'arranger de gré à gré. Vous pouvez aussi avoir des conseils neutres, personnalisés, grâce à un réseau d'appui national et local. Pour ce là, vous pouvez appeler le 0805 16 00 75 et vous tomberez sur des conseillers qui pourront vous dire comment faire et quelles aides mobiliser. Il existe des aides financières quand on a des difficultés à payer son loyer. Certaines de ces aides sont des aides versées par le département ou par la commune, ce sont les travailleurs sociaux qui vont pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi aller à votre centre d'action sociale communale qui vous conseillera. La caisse d'allocation familiale est aussi un endroit où vous pouvez trouver de l'information. Et puis, il existe des aides nationales, de certains régimes de retraite, c'est le cas du régime AGIRC-ARRCO, et des aides d'Action Logement. Action Logement, c'est l'organisme paritaire qui soutient les salariés et qui a décidé d'une aide exceptionnelle qui peut aller jusqu'à 150 euros par mois pendant 6 mois. Il ne faut laisser personne au bord du chemin pendant cette crise. Si nécessaire, je renforcerai les aides. Ne restez pas seul, vous pouvez être aidé.